Bonjour à tous, c'est Steve. Pour changer, mon dieu, j'adore hein, ce problème de skin incroyable. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de la survie FNAF, les amis, incroyable. Regardez comme le digital miner a miné. On a énormément de choses, c'est incroyable. On a même trouvé du silicone, mon dieu, du silicone pour aller dans l'espace, incroyable. On a tellement de choses. Je rangerai ça plus tard, ne vous inquiétez pas. De toute façon, on a tellement de minerais. Enfin bref, c'est pas le sujet de l'épisode. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis sur un retour de la PGW, les amis. C'était fou. C'était incroyable. Un vlog arrivera cette semaine pour vous montrer tout ça. Pour vous montrer bien sûr à tous ceux qui ne peuvent pas aller à la PSGW par exemple. Je vais vous faire une belle petite vidéo. En plus les amis, ça va être du gros n'importe quoi. Il me suis arrivé un truc de ouf. Et écoutez, franchement c'était de la folie. C'était de la folie. Enfin bref, déjà il fait nuit donc on va aller dormir. Parce qu'on a besoin d'aller dodo avec notre ami Pingoui, bien sûr, évidemment. On va aller dodo. Ah oui, d'ailleurs, je me suis mis en game mode pour tester 2-3 trucs juste avant, mais rien de grave, ne vous inquiétez pas, je me suis rien give ou autre. Alors, ah oui, du coup, je vais en parler de la PGW. Oui, il me suis arrivé des trucs de folie, de toute façon, vous verrez tout ça dans le vlog, les amis, c'est vraiment un truc de ouf. Alors, écoutez, aujourd'hui, comme on avait parlé, je vous avais dit que je devais aller chercher des cochons et des vaches. J'ai pas eu le temps, comme vous avez pu voir, bah du coup, vu que je suis parti à Paris, c'était vraiment compliqué. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais regarder si on est du blé ou autre, et on va checker tout ça. D'ailleurs, j'ai juste rajouté des pics un peu partout, regardez, vraiment pour protéger un maximum là-bas. J'aurais dû en mettre là, j'ai complètement oublié qu'on avait une vitre là. D'ailleurs, c'est totalement débile. Ah, je croyais que Red était de l'autre côté du mur. Je fais, hein, comment il a fait? On va prendre du blé. Est-ce qu'on a besoin de quelque chose d'autre? Je crois pas. Normalement, on a de tout. Et puis voilà les amis, je vous rappelle aussi que le serveur Discord est dans la description, le nouveau serveur. J'avais complètement oublié de rechanger le lien en fait, c'était le lien de l'ancien Discord. Donc du coup je pouvais pas vous inviter, je suis désolé. Donc du coup j'ai arrangé tout ça, ne vous inquiétez pas. Donc on a une vache là, c'est très très bien, il nous en faut une autre. Bah voilà, c'est parfait, on a des vaches, on a des vaches. Est-ce que... Alors par contre le son du cœur est horrible. Et d'ailleurs du coup à la PGW j'ai pu rencontrer énormément d'abonnés, je vous remercie vraiment, c'était vraiment super de vous voir, ça m'a fait vraiment vraiment plaisir. Et écoutez, bah les amis, n'hésitez pas vraiment, si vous avez des photos avec moi ou autre, à me les envoyer sur Twitter ou même sur le Discord justement, n'hésitez pas, ça pourrait être vraiment très très sympa en tout cas de revoir toutes ces photos. Pour moi c'était vraiment un plaisir de vous rencontrer en tout cas, et puis prendre voilà des photos avec vous, partager un peu cette PGW carrément avec vous. Parce que c'est vrai que pour moi ça a été vraiment très long pour y aller et pour revenir, et franchement ça valait énormément le coup. Donc écoutez, je vous remercie pour tout ça, pour vos sourires et pour vos rencontres. Franchement c'était juste fou et ça m'a fait vraiment vraiment très très plaisir. Donc là les amis, ce qu'on va faire, quelque chose de très très simple, on va juste casser là pour faire entrer les animaux. Et ensuite écoutez, on va pouvoir aller chercher d'autres choses. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Au niveau de tout ce qui est défense, je pense qu'on est plutôt pas mal. Vous m'avez donné pas mal de noms de mods, mais ce sont des mods qui nous servent pas plus qu'autre chose en fait. Ce sont des mods que la plupart du temps qu'on a déjà. Donc je ne peux pas les rajouter. En fait je peux les rajouter mais on les a déjà. Donc ça ne sert un peu à rien. Donc ça va être un peu compliqué. Qu'est-ce qu'ils font? Je crois que je vais laisser Red et Pingoui et Golden un peu à côté. Qu'est-ce que vous faites quoi là, eh? Vous bloquez les vaches, bon, attends. Venez là, vous, ils font n'importe quoi. Voilà, vous restez là. Vous restez là, il y a que... Non, même Red, il va rester là. Vous savez quoi? Parce que ça, ils font du gros n'importe quoi. Allez, la vache, chope-moi le... Tu vois le blé que j'ai dans la main? Oui, tu le vois. Non, mais... Il me troll, les amis, il me troll. C'est du gros n'importe quoi. J'aurais dit de pas bouger, qu'est-ce qu'ils font? Ils bougent. Allez, allez, on rentre. Allez, hop, 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 allez, allez. Super, incroyable. Maintenant, je vais faire tac, 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 tac. Voilà, on a deux nouvelles... On a 5 nouvelles vaches. Regardez ça, c'est n'importe quoi. On a du golden. On a du... on a de la golden. On a de la pingouille aussi, de nouvelles races de vaches. Incroyable. Mais c'est n'importe quoi. Allez, en tout cas, je vais nourrir tout ça. Je vais regarder si on a... s'il y a, bien sûr, des ce qu'on appelle des poulets, comment dire, des moutons et autres. Ça pourrait être super intéressant d'en avoir. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait des cochons. Parce que des... Ouais, voilà. Bah, y en a énormément, des cochons, hein, dans cette forêt. Puis...
Alors, eux, c'est le blé, ils s'en fichent, hein, c'est ça. Eux, il leur faut des carottes. Enfin, bref, les amis, je ramène tout ça à la base. Je les ramène et puis au moins, on va pouvoir passer à la suite de l'épisode parce que sinon, ça va être un peu long. Allez, hop, venez avec moi. On a, ok, c'est nickel, on a les petits cochons. On va les mettre où? On va les mettre là, c'est parfait. On a déjà du... Alors, par contre, voilà, nickel. Ok, j'ai tout. Les petits cochons en plus. On les fait s'accoupler, c'est incroyable. Hop, et puis... Ah, loupé. Non, loupé. On fou, on a failli faire n'importe quoi nous. C'est j'ai pas l'habitude, c'est vrai, j'avais le marteau en main, j'étais pas trop doué. Bon, je vais chercher les moutons et puis ça sera bon. Bon, du coup, alors je vais remettre les petites vitres, bien sûr évidemment. Aïe aïe aïe, l'erreur. Il faut que je les mette comme ça. Et oui, mais là ça me fait. Pourquoi ça me fait du caca comme ça là? Je suis pas d'accord moi. J'aime pas ça. Allez. Non. Allez, les amis, ça, voilà, le problème de ces vitres, je les kiffe, hein. Mais pour arranger tout ça, c'est du gros n'importe quoi. Mais regardez ça, c'est ouf, mon dieu. Bon, bref, c'est n'importe quoi. Bon, on va laisser comme ça, j'arrangerai ça plus tard. On va remettre les petits pics incroyables. Voilà, c'est pas du tout, hein. Voilà, magnifique. Oh, il y a une vache là-bas, incroyable. On va essayer de rentrer, mon dieu, il faut que je me retransforme en chauve-souris. Donc du coup j'ai trouvé des moutons en plus. J'ai ramené deux petits moutons, hein. J'ai pas ramené plus, c'était nickel. Regardez, hop, on a des petits moutons, donc je vais les faire s'accoupler en même temps. Et par contre, regardez, j'ai trouvé qu'un petit poulet. Hein, malheureusement, il était tout seul, hein, il avait pas d'amis. Et du coup, tant qu'à faire, je me suis dit, vas-y, on va le ramener, ça pourrait être sympa. Et voilà, on a toujours, par contre, les petits, nos amis, les cochons qui sont présents, ça fait plaisir. On va enfin avoir de la nourriture pour Red, parce que là, Red, il en a marre, hein, totalement, parce qu'il a plus rien. Et ça va être vraiment compliqué pour lui. Donc, les amis, je vous rappelle que pour la suite de l'épisode, déjà, vu qu'on a fait, on a sécurisé vraiment une très grande partie de la... pas de la base, mais on a pas mal sécurisé de choses. Déjà, c'est très très utile. On va pouvoir peut-être bosser un peu plus sur le mode des le mode pour l'espace, ce qui pourrait être sympa, je ne sais pas. On pourrait checker tout ça, parce que je sais que le mode vous avez plu, mais vous n'étiez pas trop chaud pour qu'on parte dans l'espace. Donc peut-être que là, ça fait un petit moment, et vu qu'on est passé à la saison 2, je pense que limite, il faudrait que je revoie avec vous. Je vais vous mettre un petit questionnaire en haut à droite de la vidéo pour vous demander... Ok, il y a un poulet là, incroyable. C'est pour vous demander si vous êtes chaud pour qu'on parte toujours dans l'espace. Donc écoutez, n'hésitez pas, ça sera un petit questionnaire en haut à droite de la vidéo. Si j'oublie pas bien sûr de le mettre, parce que vous savez à quel point j'oublie ce genre de choses. Et je vous rappelle aussi que, les amis, nous avons du coup cette base qui est incroyable et magnifique. Nous devons faire aussi la grande base là, qui nous servira justement pour l'espace et autres. J'avais aussi prévu du coup, comme vous le savez, que dans notre ancienne base, nous avions justement cette zone ici qui nous servirait pour les animatroniques, si un jour ils reviennent. Donc je pense que, on sait pas du tout si ça reviendra ou autre, mais par sécurité, je préfère faire attention et justement prévoir tout ça. Là, vous m'avez donné des conseils, mais pour l'instant, je préfère laisser vide. On re-regardera par la suite s'il y a des choses intéressantes. Ça, y a pas de problème avec ça. Ok, what the fuck. Pourquoi ça me fait... Ok, bizarre. Enfin, c'est pas très très grave. On a toujours le Digital Miner là. On va le faire... Pourquoi il marche pas? J'ai plus de... Ah oui, j'ai plus de... Bah écoutez, c'est ce qu'on va faire. On va juste rajouter des petites éoliennes, parce que là, on en a plus du tout et c'est un peu embêtant. Parce que au moins, on fait quand même marcher le Digital Miner là. Les amis, on va faire ça. Écoutez, je vous avais déjà montré comment les faire, les éoliennes durant la première saison. C'est pas très compliqué, si vous voulez revoir cet épisode, c'est pas très très compliqué aussi, il faut regarder, j'ai fait une playlist sur la saison 1 de la survie FNAF, et pareil du coup pour la saison 2. Donc les amis, je vais faire ça et on se retrouve. Bon, du coup les amis, c'est bon, c'est fini, j'ai tout réalisé, ça, oh ouais, c'était quoi déjà, ça c'était, ok, c'était une pompe, c'était pour réaliser de l'électricité, c'était pour un peu de tout, c'est vrai. Donc regardez, c'est bon, on a de l'énergie, on va pouvoir start, ah oui c'est vrai, il faut que je rajoute des, j'avais oublié, c'était où déjà? Upgrade, security, je sais plus où on donne. What? Ah, c'était dans config? Start? Stop? Start? Non? Comment on config déjà? Je sais plus. Mon dieu, je sais plus. Ah! Alors. Oh, je sais plus comment on fait. Ordinaire. Je sais plus comment on faisait.
faut que je recheck tout ça. Bon bref, c'est pas très grave. Les amis, regardez, du coup on a toujours les câbles qui sont là. On va monter du coup. Hop. Oui, du coup, regardez, j'ai rajouté des blocs invisibles. En fait, ce sont des blocs, regardez. On peut totalement les passer à travers. En fait, ce sont des blocs invisibles. Et regardez, quand on passe à travers, bah, on dirait, en fait, ce sont des blocs que personne ne voit. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté, regardez, des solar panels. Donc, des panneaux solaires qui sont juste là. Et j'ai rajouté, regardez, tout en haut, j'ai rajouté 6 éoliennes. Ce qui fait qu'on a... On a vraiment pas mal d'énergie qui se produit. Du coup, ça, elle tourne tout le temps, même quand il pleut. C'est juste ça qui ne produit pas d'énergie. Du coup, vu qu'il ne fait pas beau, malheureusement. Donc, écoutez, on redescend. Il n'y a pas de problème avec ça. Et puis voilà, c'est nickel. Je vais vous montrer. Je vais faire passer la nuit et vous allez voir comment ça va être. Donc voilà, c'est bon. On se retrouve normalement. Il fait jour. Voilà, c'est parfait. Et regardez, j'en ai profité pour remettre du coup. La config qui fait qu'on a les minerais. Et là on va miner du coup voilà 175. Et normalement il va si je fais auto eject, je crois qu'il va là. Je ne suis pas sûr. Ouais ok voilà, vous voyez ça augmente. Là on a vu la redstone qui a augmenté, passé de 4 de 23 à 30 là par exemple. Incroyable. Du coup c'est parfait, on va laisser ça. Et normalement ouais, le temps que ça parte, on a le temps. Donc regardez, on a du coup les solar panels qui travaillent. Regardez, ils font 38,4 RF, ce qui resterait correct. Il y a juste eux qui ne servent à rien du coup, parce que, et j'ai fait totalement n'importe quoi. Parce que, en plus, ce qui est totalement débile. Attendez, on va arranger ça parce que c'est, j'ai fait un peu n'importe quoi au niveau du, pour gérer tout ça. En vrai, j'ai juste à les mettre là, voilà, et ça me rajoute des... Ça me fait des solar panels qui sont juste là. Et là normalement ils font de l'électricité. Parce que regardez voilà, en fait ils étaient cachés. Ils étaient cachés par l'éolienne, du coup ça marchait pas. Enfin bref, allez, limite on va remettre les câbles. C'est pas grave, on s'en fiche hein. Dans tous les cas au moins ça fait joli. Et si j'en ai besoin, je sais où ils sont. Voilà, incroyable. Comment bien optimiser son affaire, n'importe quoi. C'est extrêmement mal fait. Du coup les amis, que fait ce cochon, n'importe quoi. Du coup là, pour faire un peu la chose un peu plus réaliste, je pense que plus tard dans un autre épisode, vraiment, dans un moment, on refera une tour un peu comme là-bas, mais du coup ici, parce qu'au moins ça nous fera une autre tour de garde en même temps, et ça fera vraiment la paire. Donc là, on a vraiment de quoi gérer notre digital miner qui à mon avis sera bien suffisant là. Voilà, bah ça commence à bien gérer. On va faire tourner tout ça. Donc là c'est nickel. Je vais juste reposer mes circuits qui sont juste là. De toute façon je crois que j'ai rien d'autre hein. Ouais c'est ça, j'avais juste mon bacon, rien de plus important. D'ailleurs les amis, on avait complètement oublié, mais regardez, ça fait tellement un moment qu'on n'est pas venu là. Faudrait qu'on réalise quelque chose hein, dans cette pièce, parce que moi je pense vraiment qu'on peut faire quelque chose de sympathique. Je pense qu'on pourrait faire une salle de contrôle de PC. Ça pourrait être bien, de toute façon c'est vraiment la salle où on peut examiner les animatronics. Il faut faire juste vraiment attention à eux. Et là, est-ce que il nous en reste beaucoup ou pas? Ah oui, ok, ah oui, il nous en reste vraiment beaucoup. Non, loupé. On va arranger ça les amis. On va le mettre dans l'autre sens parce que je préfère faire attention, remettre des vitres. Parce que on sait jamais hein. Je vous avoue que Purple Guy nous l'a fait une fois et j'aimerais pas qu'il nous le fasse deux. Ça pourrait être embêtant. Et puis voilà, de toute façon c'est bien caché, regardez ça. Incroyable, le talent est présent. Et bien sûr là j'étais... Ah ça m'a fait n'importe quoi. Le seul problème avec ces outils là, avec ces vitres là, c'est vraiment n'importe quoi à poser. C'est vraiment n'importe quoi. Normalement, ouais, si je me mets ici, ça passe. C'est incroyable, le talent est incroyable. Par contre pour passer c'est une autre paire de manches. Est-ce que je peux la casser de là? Et ça c'est long à casser. Bon bah voilà, je suis enfermé à vie, c'est un plaisir, hein. N'hésitez pas à vous abonner. Aïe aïe aïe. Oh j'avais oublié, mais bon, je suis pas doué, j'avais oublié les pics, mon dieu. Et moi je me casse les jambes et tout, c'est n'importe quoi, hein. Le mec est pas doué. Qu'y a-t-il ici? Bonjour, je suis en train de casser tout mon décor que j'avais fait, super, c'est parfait. Regardez, hop, tac tac tac, on a rien vu, et là on remet... On met une cobble ou... Non, on va rien mettre du tout. Et une cobble. Voilà, incroyable. On va descendre. On va check comment ça rend.
normalement ça devrait rendre bien. Ça me rappelle l'époque où on avait Foxy, mon dieu, vous vous rappelez? On avait notre petit Foxy qui était dans cette pièce là. Ah là là, le bon vieux temps. Quand il était encore gentil. Enfin, il a jamais été gentil en vrai, mais faudra faire attention. Hop, alors, non. Oh. Allez, super, incroyable. Ouais, du coup, bah pour l'instant, en vrai, ça se passe plutôt bien. Je m'attendais à avoir, voir plus d'animatronics, et finalement, je ne sais pas ce que, en tout cas, si Purple a des nouvelles, ou, enfin, je sais pas ce qu'il nous prépare, mais pour l'instant, il n'y a pas de problème. En tout cas, le radar ne nous dit pas grand-chose, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je préférais le reposer pour voir s'il n'était pas bugué. On va voir s'il y a toujours nos petits animaux, voir si Pingouin Red et tout vont bien. Bah, apparemment, ça va très bien. Hein. Ça saute, voilà. Hein. Vous allez finir comme ça plus tard. Hein. Eh oui, en petit bacon, incroyable. Le mec, il leur montre déjà comment ils vont finir. Hein. C'est n'importe quoi. Enfin bon, ça fait plaisir. Ils sont toujours là, eux, ils sont toujours incroyables. J'en profiter du coup pour un peu ranger mes coffres. Parce que là... Est-ce que le Digital Miner nous a bien miné? Là, normalement, on a vraiment pas mal de choses. Hein. C'est vrai que là, c'est plutôt fou. Regardez. Tac, 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 tac. Il reste 7636 choses à miner. C'est n'importe quoi. Hein. Regardez ça. Regardez tout ce qu'on a. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est ouf. Hein. On a tellement de choses. Hop. Bon, bref, les amis, je vais vous passer ça parce que c'est long et chiant. Mon dieu, je me suis éternué dessus, du gros n'importe quoi. je fais n'importe quoi, mon dieu. Allez, on récupère. De toute façon, là, j'avais bientôt fini. En vrai, il me restait pas énormément de choses. Hop. Et façon, vu que ça faisait un moment que j'avais rien rangé dans ces coffres. Aïe, l'erreur. Bah, franchement, on se pomme rapidement. Hein, parce qu'en vrai, il y a tellement de choses que à force, on se perd rapidement dans tous ces coffres. Regardez le copper. On a différents copper. On a de l'osmium. L'osmium était là. Oh, terrible. Attendez, c'est l'osmium. C'était l'osmium, ça. Hein, l'osmium. Osmium. Ok, incroyable. J'ai récupéré du fer, le fer. On va le mettre là. Ça, du coup, c'était... Ah, c'était bien du tin. Mais est-ce que c'est pas le même tin? C'est pas le même tin. Voilà, c'est n'importe quoi. Ça commence à faire n'importe quoi. C'est incroyable, l'aluminium. Du coup, on va le remettre là-bas. Enfin, bref. Les amis, je sais que c'est un peu long. Un peu chiant à faire, mais il faut le faire. C'est très, très important. Et puis voilà, regardez, ça nous permet d'avoir un nombre d'items incroyables. Seed clutch n'est pas activé. Hein. Voilà, on l'a enlevé. Et l'eject mode, du coup, qui nous sauve la vie. Mais en vrai, ça nous sauve vraiment la vie. Du coup, notre magnifique petite tour qui est juste là. Franchement, c'est du très très bon travail, du très très bon taf. Elle nous sert énormément. Enfin, bref. Tout ça pour dire que, en vrai, cette base m'avait vraiment manqué. Et je pense que vraiment, il faut y a énormément de choses à ranger, à rappeler. Et pareil, regardez, ça, il faudrait qu'on arrange tout ça, qu'on refasse la machine, la NASA Workbench, pour du coup, si on part dans l'espace. Donc du coup, n'hésitez pas à voter dans le petit en haut à droite. Et puis voilà, les amis, je pense que cet épisode va être un épisode un peu court, malheureusement. Parce que je vous rappelle que je rentre de la Paris Games Week, du coup, je suis un peu fatigué. Et puis j'ai vraiment énormément de vidéos à monter, donc je suis désolé. Vraiment, la prochaine fois je vais essayer de vraiment vous faire un épisode plus long. Je sais que c'est vraiment compliqué. J'aimerais vous faire des épisodes plus longs, mais par raison de fatigue, là vraiment, je vous jure, c'est très 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 compliqué. En tout cas, je trouve qu'on a fait vraiment pas mal de choses durant cet épisode. Et puis écoutez, pour l'instant, que des bonnes nouvelles par rapport à la survie FNAF. Donc pour l'instant, écoutez, on va se reposer. Je vous fais de très très gros bisous. C'était Golden, Pingouin et Red. Et moi-même, du coup, les amis, n'oubliez pas... Oh, un œuf. N'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner. Je croyais qu'on aurait pu avoir un autre petit poulet pour notre ami. N'oubliez pas de vous abonner, d'aller voir les autres vidéos, bien sûr. Tout sera à la fin de l'épisode. Hein. Vous connaissez tout ça. N'oubliez pas, abonnez-vous. Likez, ça me ferait énormément plaisir. On se dit à très très bientôt. C'était bon, hein. Red, Golden, Pingouin et moi-même. Allez, bye tout le monde.